remercions particulièrement tous nos mécènes qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Fondation Saint-Irénée, Groupe Apicile, l'UMAPS, Institut Mérieux, Del Sol Avocat, Sainte-Marie Lyon, White Rock, Archimède, Arcade, Rothschild Martin Morel, CIC, Média Positif. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, tellement nombreux. En coulisses, j'entendais des tonnerres d'applaudissements, donc le stress montait forcément. Merci d'être là pour cette nuit du bien commun, pour la deuxième année consécutive à Lyon. Bravo à tous d'être là, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Il y a presque 10 ans, mon mari et moi avons rencontré notre fils aîné, Baptiste. Il y a 2 ans et demi, avec mon mari Vincent, nous avons rencontré notre petit garçon, Isaac. Et cette rencontre, comme toutes les naissances, elle a bouleversé nos vies. Et encore plus, parce que Baptiste et Isaac sont tous les deux porteurs de trisomie 21. Passé le choc de l'annonce du diagnostic de Baptiste, avec Nicolas, on a réussi à aller voir la pédiatre et à lui demander comment Baptiste allait évoluer. Sa réponse a été sans appel. Si un jour il savait grimper aux arbres, ce serait déjà pas mal. Je vous rassure, aujourd'hui, non seulement il monte dans les arbres, il sait aussi en descendre. Il fait aussi des choses merveilleuses, comme nous emmener ici ce soir devant vous. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la maternité avec Isaac et cette annonce brutale de sa trisomie 21, le pédiatre nous a regardés et nous a dit que notre vie allait être terrible. Il a oublié de nous dire que notre vie allait être terriblement incroyable. Les médecins, les assistantes maternelles, les institutrices, les collectivités n'ont pas les clés pour accompagner des familles comme les autres, comme les nôtres, qui ne sont pas comme les autres d'ailleurs. Cette désinformation, elle mène à des situations comme celle de Géraldine, une maman qui vient régulièrement à nos rencontres et qui élève seule son fils Noah. Elle est tellement seule, elle a tellement peu d'accompagnement et elle a tellement peu de connaissances qu'elle a quitté son travail, elle n'a plus du tout de vie sociale. Et elle ne prend même plus le temps d'aller chez le médecin, pour elle. Cela mène aussi à des situations comme ce couple que nous avons accompagné, Gauthier et Emma, qui étaient prêts à abandonner leur enfant porteur de trisomie 21 à la maternité, tout simplement parce qu'ils nous disaient « mais nous n'allons pas réussir à être heureux dans cette vie-là, avec cet enfant comme ça ». Lorsque j'ai fondé Prête-moi tes ailes, notre objectif, c'était de permettre à toutes ces familles de se retrouver, d'échanger et de sortir de cet isolement. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin et nous allons leur offrir Respire, un tiers-lieu solidaire, pensé pour Emma, Gauthier et leur petite fille, pour Géraldine, pour Noah et pour toutes les familles ayant un enfant porteur de trisomie 21. Niché au cœur de la Croix-Rousse, Respire, c'est comme une maison. Vous y entrez, vous avez une grande pièce de vie chaleureuse, avec une cuisine dans laquelle on peut se retrouver, échanger, partager. Il y a un espace de jeu où les enfants pourront laisser leur... Non, les parents pourront laisser leurs enfants en toute sécurité, sans se poser de questions. Respire, c'est aussi un petit salon cosy dans lequel on peut venir déposer son fardeau, se sentir écouté et être entouré. Quand vous regardez à travers les fenêtres, vous voyez un grand jardin avec de magnifiques arbres, un potager et même un poulailler. Petits et grands pourront y passer des moments tous ensemble et retrouver le goût du bonheur familial et de l'apaisement. Mais Respire, c'est aussi des bureaux chaleureux pour des associations qui viendront y poser leurs valises et mener à bien leur mission auprès des familles.
parce qu'il y a une chose qui nous tient à cœur à Prête-moi-tes-ail, c'est de créer un maillage associatif et collaboratif très fort. C'est comme ça que Clotilde est venue vers moi lorsque j'ai fondé M21 il y a un an. Est-ce que vous savez combien il y a de diagnostics de trisomie 21 posés chaque année en France? Il y en a à peu près entre 8000 à 10000. Et il y a entre 200 à 300 naissances d'enfants porteurs de trisomie 21 chaque année. Avec l'association M21, nous avons déjà accompagné une cinquantaine de couples, car notre mission à M21, c'est de venir en aide à tous les couples, toutes les femmes, tous les hommes qui traversent un diagnostic de trisomie 21 en cours de grossesse ou à la naissance. Notre vision à M21, c'est que la connaissance efface la peur et laisse place à la confiance. Nous avons donc encore un grand chemin à faire pour réussir à amener cette connaissance à tous ces couples. Pouvoir nous installer à Respire, pour nous serait une opportunité incroyable pour offrir un lieu stable, un cocon et une respiration à tous ces couples que nous accompagnons. Un lieu comme celui-ci n'existe pas en France. Et c'est à Lyon que nous allons le créer. Oui. Le créer implique équiper notre local, l'adapter, mais aussi le faire connaître et le faire vivre. Et c'est pour ça que nous sommes avec vous ce soir. Nous sommes là pour vous demander 90 000 euros. Pour que vous soyez avec nous les créateurs de ce projet et que vous soyez les instigateurs à nos côtés du premier tiers-lieu solidaire tourné vers les familles aidantes et leurs enfants. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, l'important n'est pas de le prédire, mais de le rendre possible. Alors rendons-le possible ensemble, ce soir. Les membres de l'association, bravo! Bravo! Ah, c'est un défi, hein! C'est un défi ce soir. Si on arrive à la somme de 90 000 euros, je pense qu'on aura tout. On fera exploser. On va pas arriver à 90 000, on va aller beaucoup plus loin. Donc on va faire exploser les compteurs. Mères extraordinaires qui ont des deux associations ce soir. Ordinaires. Nous commençons les dons à 5 000 euros. 410. Allez, allez, allez. 410. Je veux une forêt. 303. 315. 562. 455. Deux fois. C'est la folie ce soir. 63, 448. Passons au don à 1000 euros. Allez Antoine. Don de 1000 euros. 516, s'il vous plaît. 188, 400, 347, pardon. 505, 220, 353, 135. Regardez, vous les faites pleurer. 79. Encore. C'est des larmes de joie, des larmes d'amour. Les dons à 500. 500. Quelle joie de vivre. Le 25, le 174, le 423, le 539. Le 191, le 260, le 239. Le 260 à nouveau. Le 172, le 440, le 450. Le 37. Le 178. Le 509. Encore. Le 229. Le 178. Encore. Le 267. Le 567. Le 74. Le 251. Le 136. Le 234. 257. 136. 299. 167. Encore. Wouh! Yes! Allez! Tout le monde lève sa pancarte, s'il vous plaît! Mais levez sans les exception! Le 107, le 40, le 106, le 415, le 424, le 101, le 361, deux fois! 153! Yes! Bravo! Extraordinaire! 115 200 euros!
scène 21, prête-moi tes ailes. Merci à Isaac, merci Baptiste, merci à ces enfants qui arrivent dans nos vies sans nous prévenir et qui nous emmènent sur des chemins tellement incroyables. Merci Didi. Et merci à vous tous de permettre à toutes ces familles trop souvent isolées de sortir de l'ombre et de faire une méga fiesta ce soir avec nous. Merci.